Et salut tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Galaxy 2. Comment allez-vous? Ça fait très longtemps qu'on n'était plus revenu sur ce magnifique jeu qu'est Super Mario Galaxy 2. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser sur le rythme de parution de Super Mario Galaxy 2. Je voulais terminer le let's play avant la sortie de Paper Mario Origami King. Mais malheureusement, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, j'ai eu pas mal d'imprévus, etc. Mais vous en faites pas, on va terminer ce jeu, vous en faites pas. En fait, j'attendais vraiment que Nintendo annonce la sortie des Mario 3D. Et je me suis dit, bon, on va attendre quand même l'annonce, mais vu que là, avec le Covid, etc., ils ont pas l'air d'annoncer de Nintendo Direct. Il y a une rumeur comme quoi il y a un Nintendo Direct le 20, on sait pas trop si c'est vrai, mais en tout cas... On avait terminé le premier monde, ça je m'en souviens. Le monde 2, on était prêt pour le finir. Mais oui, du coup, en tout cas, ils ont pas l'air de se bouger. Donc nous, on va se bouger pour le terminer, ce jeu. Mais j'attendais vraiment, du coup, qu'ils annoncent les Mario 3D pour vous en parler dans une des vidéos Super Mario Galaxy 2. Mais bon, voilà, ils le font pas, donc écoutez, c'est pas grave. Araplane tropicale. Du coup, une nouvelle étoile verte, enfin même plusieurs étoiles vertes dans ce monde. Je sais plus trop où elles sont. Je crois qu'il y en a une, genre dans un truc de glace ou je sais pas trop quoi. Alors attendez, on va lui parler. Salut Jacoco. Alors, Araplane, c'est l'heure d'apprendre à planer. Mais oui, ok. Yark, ok, je vais t'expliquer comment planer. Ah non, il va vraiment nous expliquer tout le temps. Mais en plus, le pire, c'est que on va vraiment devoir... Oui, comme ça, ok. Oui, on va devoir vraiment se refarcir les explications deux fois. Ça va vraiment être relou de ouf. Alors, vers la gauche pour aller à gauche, vers la droite pour aller à droite. Franchement, merci du conseil parce que, franchement, je m'en étais pas douté. Bon, allez, on est parti. 3, 2, 1, go! Alors, il va falloir chercher les étoiles vertes. Comme je vous l'ai dit, je sais pas trop où elles se trouvent. Je crois qu'il y en a une, comme je vous ai dit, dans une espèce de caverne, à moins que ce soit dans le deuxième truc d'Araplane. Mais à mon avis, la première, elle doit être assez remarquable quand même. Bah, je crois que c'est elle, non? C'est pas ça? C'est pas une étoile, ça? Bah oui, c'est une étoile. Oui. Ah non, c'est une vie! Ok, bah, pour l'instant, rien de bien intéressant. Et donc, à mon avis, je crois qu'elle est là. Je crois qu'elle est, quelque part dans la caverne. Si je m'en souviens bien. Non? Elle est pas là? Attendez. Elle est pas là. D'accord. Ok. Ah, il y en a une là-bas déjà. Ok, super. Je crois que j'ai totalement raté la première. Je sais pas du tout où elle se trouve. Allez, c'est parti pour l'étoile verte numéro 1. Mais alors, what? Elle est où? C'est compliqué de trouver les étoiles vertes sur Araplane, hein. Ça, c'est un peu abusé. Ouais, non, là, y a rien. On va passer en dessous. Ah, mais elle est là! Mais elle était là! Je l'ai pas vue! What? Comment ça se fait? Bon, écoutez, au moins je l'ai trouvé, parfait! Bon, c'est bon! On a fini Araplane, on a terminé cette galaxie à 100%, ça c'est cool, la petite couronne dorée! Alors, maintenant on a terminé. Écoutez, je pense qu'on va faire la anse étoilée. Non, j'ai pas dit qu'on devait aller là. Super! La anse étoilée, il y a 3 étoiles vertes! Ça va être du sport, c'est moi qui vous le dis. Ok, nous sommes partis pour la première étoile. Peut-être qu'ils vont nous la montrer. J'aimerais bien, ça serait cool quand même. Alors, oui, elle est carrément là-haut. D'accord, très bien, merci beaucoup. Bon, du coup, il va falloir geler le lac. Je m'en souviens absolument plus des étoiles vertes du monde 2. Enfin, en tout cas, ces étoiles vertes-là. Parce qu'il y a certains niveaux dans le monde 2, je m'en souviens. Mais alors, déjà, celui-là, la anse étoilée, il m'avait pas trop marqué. Donc, c'est normal que je m'en souvienne plus, hein, à vrai dire. Allez, plus vite. Ok. Allez, hop, la petite carapace, parfait. Donc, il faut que j'aille où déjà? Il faut que je prenne ça, je crois. Oui. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ah non, le tuyau. Quoique non. Non, en fait c'est pas le tuyau. Non, c'est pour Billy Banane, je crois, le tuyau. En bas, il y a quoi là? Attendez, j'ai totalement oublié ce niveau. Pourtant on l'a fait, hein. Ouais, pourtant on l'a fait, mais j'ai totalement zappé, il m'a fait peur lui. Ok, d'accord. Non, c'est ici. What? Mais oui, c'est ici.
Et du coup, il faut que je trouve l'interrupteur. Il est où cet interrupteur? Ah, la musique est cool par contre. On dirait un peu genre une musique de Zelda. Elle me fait penser, ouais, une musique de Zelda. Par contre, je sais plus lequel, peut-être Ocarina of Time. Il y a une petite musique assez mélancolique dans Ocarina of Time qui ressemble à celle-ci. Je crois que c'est vers le temple de l'eau, etc. Peut-être la caverne gelée, un truc du genre, je sais pas. Alors, hop. Et du coup, l'interrupteur, il est ici. Parfait. Clac. Donc on active ça et on va pouvoir récupérer cette étoile. Youpi, l'eau a gelé, hein, clean le stick et agite la télécommande. Mais merci beaucoup. Allez, c'est parti. Allez, on est en mode Philippe Candeloro, là. Yes. Il est trop stylé, Luigi. Allez. Tu peux monter, s'il te plaît, par contre. Voilà. Allez, let's go. Et du coup, elle est vers la gauche, je crois. Ouais, elle est là. Eh ben, c'est parfait. Super. Et ça nous fait une étoile de plus. Allez, c'est parti pour l'étoile verte numéro 2. Peut-être sur la même étoile ou pas? Non, c'est pas la même étoile, celle-là. Parce qu'avant, il y avait les cascades et maintenant, c'est l'espèce de tube chelou. Avec un petit pixel art de Luma. Enfin, c'est pas vraiment un pixel art, mais bon. Il y a un petit artwork de Luma. Ah oui, mais c'est vrai que l'eau a gelé. Et oui, donc maintenant il y a les pingouins. Et il y a aussi des petits volcans glacés. On adore. Allez, c'est parfait. Là-bas, il n'y a rien. J'essaie de voir. Hein. Non, là-bas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc on peut rentrer dans ce petit tuyau. J'aimerais pas la louper quand même. Ça serait un peu relou. Alors là, on peut casser. Super. D'accord. Et là, par contre, c'est de l'eau. Hein. Elle a pas gelé. Nage plus vite avec A, mais merci mon gars. C'est pas comme si j'avais terminé le jeu déjà une fois. C'est beau ces petits poissons là. Bon, par contre, ils sont tous au même endroit. Je me demande comment ils se nourrissent, hein, parce qu'il y a pas grand chose. Hein. Il y a 2-3 algues en bas. Ouais. Après, il y a pas grand chose. Allez, le petit levier. Ça nous ouvre la porte, magnifique cinématique. Et là, on peut s'enfoncer. Oh, j'avais oublié ça, mais vas-y. Super. J'adore. Ah, je déteste ces anguilles. Ça me fait flipper, moi. J'espère que dans le prochain Mario 3D, il n'y aura pas d'anguilles. Mais maintenant, ils adorent foutre ces anguilles partout, quoi. Alors, checkpoint. Ça, c'est parfait. Là-bas, il n'y a rien. Je regardais, hein. Ah, mais je l'entends, l'étoile verte. Elle est où? Attendez, j'entends l'étoile verte. Est-ce que vous l'entendez, vous aussi? Ouais, elle doit être quelque part par là. Où est cette étoile verte? Je l'entends, mais je la vois pas. Ah, elle est là-haut! Ok, d'accord. Parfait. Allez, on monte. Et du coup, il va falloir que je saute. Ah, c'est chaud, hein. Mais j'ai l'impression que c'est la troisième. Allez, vas-y. Allez, on est parti. Ouais, mais du coup, je suis obligé de sauver le Luma. Parce que sinon, ça va me gêner dans mon saut. Alors, comme ça. Hein. Ok, d'accord. Un long jump suffisait. Et vous avez vu, il est pile à la hauteur de Luigi. Hein. Donc les développeurs voulaient vraiment qu'on prenne Luigi pour la quête des étoiles vertes. Et oui, j'avais bien raison. Du coup, c'était bien la troisième. Mais les amis, je suis pas fou. J'entends bien une autre étoile ici. Hein. C'est pas possible que j'entende l'étoile du haut quand même. Enfin... C'est quand même la troisième étoile. La deuxième, je devrais la trouver là, quoi. C'est un peu bizarre. Alors, attendez. Peut-être qu'elle... Ah, mais oui, elle est là, mais clairement. Alors, attendez, comment je vais la récupérer? Ah, bah, peut-être comme ça, tout simplement. En sortant comme ça. Ok, c'était tout simple. Bah oui, mais il faut que j'explore mieux. Ça fait quand même la deuxième fois que je récupère la troisième au lieu de la deuxième. Enfin, plutôt la dernière étoile au lieu de celle d'avant, quoi. C'est bizarre. Je fais tout dans le mauvais ordre, c'est abusé. Ok, on va faire la petite citadelle sinistre de Bowser. Il y a 2 étoiles vertes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on va terminer le monde 2. Je pense que c'est un bon objectif. Et on va faire quelques niveaux du monde S. Enfin, quoique, je sais pas trop. En fait, on va faire des niveaux qui me plaisent. Tout simplement. Je suis là aussi pour faire les galaxies que j'aime, hein, au bout d'un moment. Parce que si je fais que les galaxies que j'aime plus ou moins, c'est pas ouf. Je préfère faire les galaxies que j'adore. Alors, derrière, déjà, il y a aucune étoile verte. Il va falloir faire attention. Le Kamek, il dégage, hein. Très bien. Alors, l'étoile crampon... Elle aurait pu apparaître un petit peu plus vite, mais bon, c'est pas grave. Alors, déjà, derrière, il n'y a rien. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal. Avec Luigi, on fait des sauts de ouf, c'est abusé.
Ouais, ça, on s'en fout. On peut passer comme ça. J'entends pas d'étoiles vertes pour le moment, donc... Pour le moment, c'est pas mal. Ok. Bah, j'ai sauté pourtant, mais bon, c'est pas grave. Allez, claque. On y va. Il y en a deux, hein, dans ce niveau. Donc, on devrait les voir. Et puis, en fait, les galaxies de Bowser, c'est quand même assez facile de repérer les étoiles vertes parce que il n'y a pas vraiment d'exploration dans les galaxies de Bowser. C'est vraiment du tout droit. Ok, c'est parfait. Alors, on y va. Ok, ça je récupère. Ça me fait toujours des fragments en plus. C'est pas mal. Là. Ouais, non, on s'en fout. C'est que des pièces. Je pensais que c'était des fragments d'étoiles. Mais oui, je crois que j'en connais une d'ailleurs d'étoiles vertes. Il n'y en a pas une au-dessus du Twomp. Non, elle est derrière le rocher. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ouais. Regardez-moi ça. Elle est tellement bien cachée. Alors, abusé. Comment on va y aller déjà? Je crois que c'est comme ça. Hein. Oh, non. On va y aller. Voilà, dessus. C'est pas mal. Du coup, c'est la combientième? C'est la première ou la deuxième? Parce que ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième. Ouais, parce que après, on est proche de la fin, non? Ouais, je sais pas, on va voir. Par contre, elle était chaude, hein. Sur le bord de la plateforme. Ah, mais l'étoile verte numéro 1, d'accord, ok, donc c'était pas la deuxième, super. Ok, nous revoici du coup à l'endroit où il y avait la première étoile verte. Du coup, à mon avis, elle doit pas être très loin. Alors, tu vas éviter de me pousser dans l'électricité, ça serait sympa. Alors, clac. Il y a une autre parcelle du niveau, là? Ah, mais oui, du coup, ok, on n'est pas à la fin encore. Je pensais vraiment qu'on était à la fin tout à l'heure. Alors, le petit checkpoint... Bah, elle est en dessous. Elle est là. Vite! Non! Oh, dommage. J'aurais pu y aller tout de suite. Ok. Eh ben, c'est parfait! Magnifique! Elle était bien cachée, celle-là. En dessous du tapis. Pas mal. Et du coup, il va nous rester juste le printemps éternel à finir à 100% pour terminer ce monde 2. Ça va être cool, ça. J'aime bien le printemps éternel. En plus, il y a Mario Abeille. Ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a une au niveau des baies. Ça me rappelle un truc vaguement. Mais je crois qu'il y en a une au niveau des baies. Peut-être qu'on va la voir. Vous savez, c'est à la fin, là, où on rebondit partout. Donc non, ok, on la voit pas. Ça, c'est un peu dommage. Donc, bah, c'est cool. En plus, on va avoir plein de fragments au début. Je m'en souviens. Yes! Oui! Et mince, j'ai récupéré rien du tout. Bon, c'est pas grave. Alors... Du coup, let's go, on est parti. Bon, vu que je connais l'emplacement d'une étoile verte, on va directement y aller. Enfin, je dis ça, mais s'il faut, ma mémoire me joue des tours, carrément. J'aimerais vraiment qu'ils fassent une mise à jour sur les étoiles vertes quand ils vont faire le remake de Mario Galaxy 2. Enfin, si jamais la rumeur est vraie. Mais j'aimerais trop, purée, parce que, en fait, les étoiles vertes, c'est bien, mais me refarcir le niveau à chaque fois, ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment relou. En fait, ils devraient faire un système en mode... Tu récupères la première étoile et il te demande si tu veux quitter le niveau ou si tu veux continuer tout simplement. Voilà, ça serait bien ça. Parce que ça, c'est vraiment relou de refaire le niveau à chaque fois. En plus, tu fais les checkpoints et tout. C'est dommage. C'est un peu dommage. Alors, l'étoile cachée, incroyable. Là, il y a moyen de récupérer pas mal de fragments quand même. Hein. Donc c'est ici, je crois. Hein. Ouais, je l'entends. Regardez-moi ça, je l'entends. Alors, elle est où? Je crois qu'elle est tout en haut quelque part. Ouais, elle est là. Ok, parfait. Donc ma mémoire ne me jouait pas des tours finalement. J'avais bien raison. Eh ben c'est parfait. Alors c'est la première ou c'est la deuxième celle-là? Merci pour la batterie faible. Incroyable. Je crois que c'est la première celle-là. Hein. Et du coup c'était bien la première étoile. Ben c'est parfait. Bon, nous revoilà du coup au niveau de la première étoile verte. En fait, j'aime bien vous faire des ellipses parce que, mince, ça n'entache pas comme ça le rythme de la vidéo. Et puis comme ça c'est plus sympa à regarder pour vous, enfin j'espère en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Mais vous m'avez demandé de vous montrer plus de moments où je galérais. Mais en fait le problème c'est que je galère pas tellement, donc on va pas... déjà on va pas se plaindre, hein, voilà, que je ne galère pas. Mais si vraiment je galère et que c'est drôle, je le mettrai. Mais sinon non. Je peux me poser ici? Ouais, je peux me poser. Alors attendez. Elle est là! Ok, mais je comprends. Mais alors attends, comment tu veux faire? Bah comme ça. Ok, d'accord. Je pensais qu'on l'atteignait pas. Je me disais que peut-être qu'avec le trapèze, on irait peut-être plus haut. Mais finalement, j'y suis arrivé, donc c'est pas plus mal. Bon, maintenant, on a terminé du coup tous
Le monde 2, et ouais, parfait, à 100%. C'est la première fois que je le fais à 100%, je crois, le monde 2. Sur ma première partie, il me semble que je l'avais pas terminé à 100%, donc c'est pas plus mal. Oh, le tronc sans fin, il y en a 3. Oh là là, ça va être relou. Mais je crois d'ailleurs que la première étoile, elle est ici, non? Il me semble. Alors attendez, déjà Yoshi, je crois qu'il est... Ouais, il est là-haut. Enfin, là-haut, il est plutôt vers le bas de la planète, mais bon, c'est pas grave. Cet arbre, il est magnifique, hein, franchement. Très joli. Alors... Donc, on peut passer par là. Très bien. Il a un fruit? Non, ok. Ah! Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là, hein. Ah non, quoique, on peut y aller. Ah, mais oui, elle est là! Elle est là-haut. Elle est là-haut, ok. Elle est là-haut, très bien. Je me souvenais qu'il y avait une étoile ici. Et en plus, je crois que je vous l'ai dit à un moment. Dans le let's play. Oh, bah, c'est parfait, je l'ai eu. Magnifique, du premier coup. Bah c'est cool ça, je vous l'avais dit, j'en étais sûr, ma mémoire ne me trompe jamais. Allez c'est parti, let's go. Du coup on n'est pas encore sur la glissade hein. Oh. Mais j'ai pas Yoshi là. Ok, Yoshi est revenu. Je l'ai lâchement abandonné. Alors, peut-être que l'étoile verte se trouve ici. Elle est là-bas, très bien. Alors du coup il va falloir faire quoi? Peut-être qu'il va falloir en fait faire le tour, non? Comme ça. Oh, bah il y a une vie là. Parfait. Ouais. Faire le tour. Ok, mais c'est magnifique ça. Du coup, on n'avait pas besoin du fruit ballon. Très bien. Bon, bah c'est cool finalement. Je pense que cette galaxie, on va la terminer plutôt rapidement. Bon, du coup, là, c'est la troisième étoile. Et je crois que malheureusement, pour nous... Ouais, c'est la glissade. Aïe, 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 aïe. Je sais plus du tout où elle est par contre. Montrez-la nous, s'il vous plaît. Ah, je sais pas où elle est. Ok, bon bah ça va être la surprise. Ouais, j'adore. Ah d'ailleurs, on commence pas directement devant. On commence sur l'arbre, ok. Je pensais qu'on commençait devant la glissade, mais bah, j'ai pas l'impression en fait. Allez, les petites balancelles, les petits trapèzes. Let's go. Alors. Et là, je crois qu'il y a un checkpoint. Ouais, c'est ça. Parfait. Du coup, on active ça et je crois pas qu'elle est là, hein. Ça serait trop facile sinon. Hein. Ouais, non. Allez, bah du coup, on est parti. Hein. Oh, aïe, 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 ça va être la galère. C'est moi qui vous le dis. Alors, là, on saute. On regarde bien, on fait bien attention. Il me faut des vies, hein, par contre. J'ai plus trop de vies, donc prenons-la, celle-là. Ça fait du bien. Ok. Donc, on a 3 vies, ça, c'est pas mal. Le iris, tu dégages. Merci, t'es gentil. Clac, clac, clac. Oh, dommage. J'entends pas le bruit d'une étoile. Donc, elle doit pas être là pour le moment. Ah, peut-être qu'elle est au niveau des Wigglers enragés, là. Ah, peut-être qu'elle est là, ouais. Non. Non, elle est pas là. Elle est où? J'aimerais bien la faire en one shot, ça serait trop beau. Elle est là. Elle est là! Non, j'étais à côté, virée. Comment tu veux la récupérer? Oh non, elle est trop loin en plus. Ah! Ok, nous revoici au niveau des Wigglers enragés. Je crois que c'est même pas encore la portion de l'étoile. Ouais, c'est après là. Ce passage, il est chaud avec les deux pics là. C'est relou de ouf, hein. Je l'aime pas du tout. Celui-là aussi, il est pas mal là. Avec les pics et les Wigglers qui bougent. Ah oui, c'est bon, je l'ai eu. J'ai sauté, j'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je l'ai eu. Ok. Oula, le stress, mon dieu. Ça fait longtemps que j'ai plus stressé autant sur Super Mario Galaxy 2. Bon, en même temps, je tourne une fois tous les 100 ans, donc c'est normal. 162 galaxies terminées, 432 fragments quand même, c'est pas mal. Et en plus, on a récupéré une vie. C'est génial. Mais vous savez quoi, j'ai bien envie de faire les blocs tic-tac, tiens. Vu que c'est une galaxie assez courte, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'exploration, au moins, on l'a fait vite, et on peut passer à une autre galaxie. Je pense qu'on va en faire deux dernières pour la fin. Allez, c'est parti. Étoile verte numéro uno, et on y va. Alors déjà, il y en a une ici. Je l'entends, il y en a une autre là-bas. D'accord, ok, parfait. Très bien. Bon, bah, du coup, on a vu les deux étoiles. Ouais, elle est là-haut. D'accord.
Et comment tu vas la récupérer celle-là? C'est pas avec Yoshi que tu la récupères, si? Ok, déjà j'ai plus de batterie. Il va falloir que je rachète des piles. Oui, d'ailleurs il y a toujours pas une marque de piles qui veut sponsoriser mes vidéos? Non, toujours pas. J'ai pas reçu de mail dans ma boîte pro, donc je pense qu'ils ont pas assez bien entendu mon appel. Sponsorisez-moi pour des piles s'il vous plaît. Alors du coup c'est ici, c'est ça, hein? Ouais, c'est là. Alors comment tu veux la récupérer par contre? What? What? Attends. Mais elle est même pas sur mon... Attends, me dis pas qu'il faut que je fasse comme ça? Non, attends. Oh oui, c'est comme ça qu'il fallait faire. Parce qu'elle était pas sur mon axe. Ah ouais, d'accord, ok, ça rigole pas. Allez, on est reparti pour l'étoile verte numéro 2. Du coup, elle est tout à la fin. Et il va falloir que je monte, en fait, sur le troisième palier, que je fasse un long jump. Enfin, je sais pas trop comment je vais me démerder pour l'avoir, mais on va essayer. Allez, c'est parti, let's go. Bon, au moins, on n'a pas, du coup, les plateformes qui vont vite, comme dans la comète. Ok. C'est parfait, j'ai même pas besoin d'attendre la plateforme. Moi j'y vais comme ça. Tranquillou. Allez hop. Voilà. En fait cette galaxie elle est très facile avec Luigi, hein. Vraiment il n'y a pas trop à se plaindre. La petite vie, mais c'est parfait. Ok. Wouh, j'étais sur le bord. J'ai pas fait gaffe. Oh, encore une vie. Non, tombe pas. Ok. Parfait. Ok, en plus il y a un petit checkpoint, ça c'est cool. Merci les développeurs. Alors, du coup c'est ça qu'il faut que je fasse. Quoique je peux la récupérer comme ça en fait, non? Oh, je suis proche hein, quand même. Je suis un peu proche mais... Oh, bah quoi, il a disparu? Il a dépop? Attends, il va revenir sur moi. Oh là là! Dégage! Le mec a repop sur moi, quoi. Grosse blague, allez. Voilà, ok, il était simple, celui-là. Super. Ce petit saut, ouais, il était clairement très facile. Bon, bah, c'est parfait. Étoile verte récupérée, galaxie terminée. Ça fait une petite rime au passage. C'est cool. Et du coup, on va continuer. Alors, attendez, il nous reste quoi dans le monde 3? Une galaxie que j'aime bien, ça serait cool quand même. Moulin à nuages, il y en a 3, hein. 3 c'est long quand même, ça fait déjà 40 minutes de rush. Je pense qu'on va se faire une petite galaxie du monde S, tiens, pour la fin. Allez, c'est parti. Bah vous savez quoi, j'ai bien envie de terminer à chaque fois mes vidéos par une galaxie du monde S. Bah allez, go, hein, tourne-broche rotor. Le petit niveau de Mario Sunshine. Oui, on sait qu'il y a comète farceuse repérée, on le sait. Étoile verte numéro 1. Je sais pas trop où elles sont, mais... D'accord. Alors, il y en a une là-bas. Il y en a une autre là-bas, d'accord. Elles sont loin! Il faut que je garde en fait les nuages, hein, c'est ça? Non mais attendez, c'est quoi cette blague? Vous avez vu? Comme elles sont loin? Ils m'ont pris pour qui, là? Superman ou quoi? Non mais que... Pardon? On va se calmer, hein. Tu glisses pas comme ça, Luigi, merci. Alors. Ok. Donc, déjà, il y en a une là-bas. Ok, d'accord. J'adore. Bon, en fait, elles sont simples. Elle est super simple, cette galaxie. Franchement, il n'y a aucun problème. Trop simple. Oh, mais c'est génial! Il y a l'orage chez moi. Je termine ma vidéo, il y a l'orage. Mais c'est parfait. Allez, on termine en apothéose. Mais c'est ouf, quand même, c'est la première fois que ça m'arrive de tourner une vidéo et pile à la fin, il y a l'orage. Bon, j'espère que je vais pas avoir une coupure de courant, ça serait un peu con quand même sur la fin d'un épisode, parce que je perdrai tout, hein. Mon enregistrement, je perdrai, eh ben, du coup, je perdrai aussi la vidéo, je perdrai ma progression du jeu, ça n'aura pas sauvegardé, enfin, c'est la catastrophe, quoi, si ça m'arrive. Donc on va terminer vite, allez c'est parti. Le speedrun, alors ça c'est cool pour se faire pas mal de fragments par contre. Ouais. Allez plus vite. Du coup il faut que je garde la transformation nuage, hein, c'est ça. Alors voilà. Il faut pas que je la perde. Ok parfait.
On y va. J'ai eu peur. Il y a un truc qui est tombé chez moi, ça m'a fait peur. Quel débile. Alors, on peut récupérer ça, hein. Voilà, même s'il y a l'orage, on va pas se priver de quelques fragments d'étoiles. Voilà, merci. Allez, let's go. Oh, je comprends pas ce qui se passe. C'est bon. Ok. Oui. C'est quoi ce bruit là, on dirait le petit tchou. C'est quoi ce truc? Ok. Elle est où cette étoile là? Je sais pas où elle est. Non mais où est-elle? C'est pas cool hein. Je suis obligé. Elle est où? Non mais je perds tout. Elle est où? Où est-elle? Oh, ça me fait mal aux yeux. Où est-elle? Où es-tu, étoile? Alors attends. Elle est où? Elle est là-bas! Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Il faut que j'aille à la fin. Oh putain. Ok. Faut que j'aille à la fin du tournebroche là-bas. Mais qu'est-ce que tu glisses sur quoi là? C'est pas la fête, hein. Bon, écoute, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Ok, on est à côté, hein. Oh là là, c'est bon. Ouf. Je l'ai eu. Magnifique. Je savais pas où elle était, hein. Mais c'est bête, ça aussi, la caméra, tu peux pas la bouger comme tu veux. Ça, c'est vraiment là, un gros problème de Mario Galaxy 2 et de Mario Galaxy 1 aussi. Bon, c'est cool. Yes, on a réussi. Et d'ailleurs, on m'a expliqué comment avoir l'étoile verte. Donc, merci à la personne qui m'a expliqué comment l'avoir. L'étoile verte du truc, là, des trompes. Donc, celle-là, on l'a terminée. Ouais, celle-là. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, voilà. Donc, on va la faire vite fait. Comme ça, c'est bon. Du coup, j'ai retrouvé le commentaire, enfin les commentaires même, qui m'ont expliqué comment faire pour cette étoile. Du coup, je remercie Axel Fino et Gokuyo77. Merci. Donc, ils m'ont tout simplement dit qu'il fallait faire un triple saut, voilà. Mais bon, voilà, comme moi je suis un peu débile, j'ai pas pensé à cette solution. Du coup, oui, ça me semble logique maintenant. Alors, let's go. 1, 2, 3. Ah oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok, bon, elle était simple. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, on va faire une bonne outro quand même. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de Super Mario Galaxy 2. Vous en faites pas, les vidéos continuent sur ce let's play. Vous en faites pas, on va terminer ce jeu. Donc voilà, Galaxy terminée, ça me fait plaisir. 606 fragments d'étoiles, c'est cool. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Super Mario Galaxy 2. Avec Luigi, bien évidemment. Allez, ciao ciao.